au café Loustalou. Malakoff vient troquer bien de chez nous, banquette en cuir beige et Sandar à 3 sous. Sandra n'y a jamais posé son cul, j'y ai posé le mien 2 fois et ça m'a plus jamais rien vu d'aussi ordinaire que ce café lait ou des types austères. Mat par la vitre les filles de Malakoff, les filles café au lait au volant de leur Golf. Je conseille pas aux dépressifs de s'y rendre, sauf si une poutre leur manque pour se pendre. Auquel cas ils trouveront bien un client zélé, capable de confectionner un nœud coulant serré. Une fois la corde au cou, faudra plus faire le fier. Au café Loustalou, on ne se prend pas pied à terre. La godie distraira les fumeurs attroupés et les dissuadera d'arrêter la clope et le tiercé. Au café Loustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les flics décrochent avant de prévenir les proches que bientôt sonneront les cloches. Au café Loustalou, y'a pas de loup, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les flics décrochent avant de prévenir les proches que bientôt sonneront les cloches. À Malakoff, y'a un troquet bien de chez nous, un troquet au doux nom de café Loustalou, dont la clientèle s'est récemment étoffée. Une demi-douzaine de bons officiers de police, évidemment pas aux heures de service aujourd'hui à Loustalou. Ils poursuivent l'exercice qu'ils ont débuté ce matin en serrant des popcorns. Le commissariat planché sur le péril jaune, d'un commun accord avec les initiés du coin, les officiers décident de dresser le chien à bouffer le premier bridé en de tabac. Oustela Loustalou se méfie des chinois, le patron essaye en vain de calmer la assemblée, de la ramener docile à la raison du godet. Rien à faire, son chien rage contre sa maîtresse, il se dit qu'il est temps de lui dévorer la peste. Et le gros chien blanc du patron déteste entendre parler chinois, c'est embêtant car sa femme elle vient de là-bas. Et le gros chien blanc du patron déteste entendre parler chinois, c'est étonnant du chinois. Et il aboie, il aboie, il aboie, il fait ouf comme ça. Faites voir. Oh, pas mal. Par là, c'est pas mal. Il y a des gros chiens par là. Là, il y a le Yorkshire, comme d'hab. Il a vu son pichet avant d'avoir l'idée d'aller libérer tous les clébards du quartier, retenus dans les caves des restos soupçonnés de maquiller nos amis en canard laqué. Le canine est au pied, se sentit pousser les ailes comme un mini Pégase en compagnie de sa gazelle. Sa gaze pour lui, il engage le combat. Il abat du chinois et pollue la soupe de soja. L'attaque est éclair mais le massacre dure un temps pendant lequel les flics foutent le camp. Évanouissement, pillage et scène d'allégresse convertent à l'événement ces quartiers de noblesse. Contre toute attente, le chien reprend le contrôle et ordonne qu'on épargne tous les vieux et les mots qui soit ont dépassé, soit n'ont pas encore atteint l'âge de torcher son cul d'une seule main. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou du genre gros loup, un loup de Sibérie à qui faut pas parler de sinologie. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou du genre gros loup, un loup de Sibérie à qui faut pas parler de sinologie. Voilà, le groupe d'après c'est Jav Jav et c'est super bien. Alors restez là. Merci.